câble. On commence par Romain. Romain, qui petit était très très agité, certainement suractif, hyperactif, et ses parents lui ont dit tiens, on va t'acheter une trompette. Quelle bonne idée. Vous devriez faire ça avec vos enfants quand ils sont très agités. Oui, c'est reposant. C'est vrai que c'est reposant. Oui, alors vous perdez en vous perdez deux dixièmes à chaque oreille et vous avez plus d'amis comme voisins, mais ça a canalisé son énergie. Résultat, c'est devenu un excellent trompettiste qui a fait le tour du monde. Et il vient d'avoir une idée de génie. Il vient de faire un disque qui s'appelle The Trumpet as Movie Star. Ça veut dire, pour ceux qui ont fait comme vous, allemand, première langue, voilà, ça veut dire la trompette comme une vedette de cinéma. Et ce ne sont que des reprises de musique de film. À la trompette. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Un petit extrait tout de suite avec Monsieur Ennio Morricone. Vous allez reconnaître tout de suite. Ça vous pose un bonhomme quand même, la trompette. Hein. Oui. Vous avez vu, en plus, il a cette façon très particulière de jouer avec cet angle. D'habitude, on joue comme ça, c'est il joue un peu comme ça. Un peu vers le bas. Voilà, on le reconnaît aussi à ça. C'était pour une poignée de dollars, pour ceux qui... Je ne résiste pas au plaisir de vous faire un mini-quiz, puisqu'il n'y a quand même que des musiques de films. Donc voilà, on écoute quelques secondes, on essaie de trouver le titre. Sœur jumelle, oui. Truc de Rochefort. Non, monsieur. Non. Pas le truc de Rochefort. C'est les demoiselles et elles sont deux, voilà. Pardon. C'est aussi un excellent festival. Allez, deuxième extrait. Le parrain. Je vais te faire une proposition. C'est Maya qui a gagné. C'est Maya. Je l'ai dit trois fois. Oui, c'est Maya, le parrain. Très bien. Elle a fait le parrain 1, le parrain 2, le parrain 3. Le parrain. Et là, vous savez quoi, si vous êtes fan, il faut le voir sur scène. Et alors moi, j'ai une très bonne nouvelle. Si au mois de juillet, c'est tout vous le quiz. Non, c'est un petit quiz. Regardez ça, monsieur Romain Leleu, il sera au violon sur le sable à Royan. Vous avez c'est un concert gratuit sur la plage. C'est un truc de malade. C'est à Royan, c'est fin juillet, il y a trois dates. Anissé, vous imaginez quand chacun aura votre petit drone là pour prendre des photos. Vous avez des taches jaunes. Ça sera un stade couvert. Donc Romain sera le 23 juillet, il y a plusieurs dates. Voilà, violon sur le sable. On continue avec son frangin, donc avec monsieur Thomas Leleu. Thomas Leleu qui joue du...